Kli, comment tu vas? Ça va bien. Ça va? Bien, bien. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir ici. Non, pas de problème. Et Kli, déjà, toujours une question, toujours un peu, j'ai envie de dire, qui est assez marrant parce que personne ne se pose la question. Est-ce que tu as toujours joué attaquant? Alors, ouais, c'est vrai que cette question, déjà, elle est très compliquée parce que, on va dire, j'ai joué tous les postes, pratiquement. Ouais. J'ai été formé attaquant. Ensuite, quand j'ai commencé un peu en pro, j'étais ailier gauche en Suisse. Ensuite, on m'a repositionné dans l'axe parce que, on va dire, j'étais pas celui qui était le plus rapide, mais qui était technique et rapide avec le ballon. Mmh. Après, attaque à deux, deuxième attaquant. Et puis ensuite, là, quand je suis arrivé ici, bah, c'était, on va dire, 10 ou second attaquant. Ouais. Milieu offensif. Ouais, milieu offensif. Et après, même des fois où je me retrouvais lié gauche aussi. Mais on va dire que je suis assez polyvalent. T'es droitier, rassure-moi, t'es droitier. Oh, parce qu'à chaque fois, t'es aspiré au milieu gauche, attaquant. Non, je suis droitier, Et là, bon, tu de Suisse, PL, la première ligue. Ouais. Bam! L'année passée, j'ai fait 63 matchs ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'enchaîne avec l'Euro. Mais en arrivant ici, je commence contre City. À la 60e, je suis cuit. Tu vois, l'intensité, ouais. C'est la chose qui, à ce moment-là, je pense, qui t'a le plus frappé. Ouais, au début, c'est ça qui m'a le plus frappé. Et après aussi, que ça s'arrête jamais. Vincent Kompany, il a beaucoup eu d'influence dans ton arrivée ici. Est-ce que c'est celui, depuis que tu es arrivé pro, qui a le plus d'influence dans, aujourd'hui, le jeu d'homme côté? Ouais, bien sûr, on va dire que la chose qui me manquait aussi dans mon jeu, même si l'année passée j'ai fait une super saison, c'était l'intensité, la capacité à répéter les efforts. C'est ça aussi le truc qu'il y a derrière, c'est que de toujours se donner à fond et qu'à la fin, bah, peut-être pas maintenant, mais tu seras récompensé. Tu vas parler de ton activité, de l'intensité, mais on va regarder tes buts quand même, parce que c'est ton ami, et c'est important quand même, faire un joueur offensif, donc marquer des buts. J'ai envie que tu me décortiques un peu ces buts que tu mets pied gauche, toi le droitier. Ok. Kovacic, there's that pace. He's moving past Borrell, he's done really well. Oh, and then turned in by Antuni. Alors ce but contre Forest, ce qui est fort, c'est, je trouve, comment tu arrives à être fluide dans ton geste. Tu me disais que effectivement t'es pas un vrai neuf. T'es pas un vrai neuf. Sur cette action, effectivement, je vois que t'es pas un vrai neuf. Parce que t'es là, toi, t'es ici. Ouais. Et le vrai neuf, lui, il va sprinter pour aller il va sprinter d'ici pour aller. Toi. En fait, je pense aussi au début de l'action. Ouais. On était dans ce match, c'était, on va dire, les pockets, on devait roll out. Ouais, c'est-à-dire, ouais. On devait sortir pour faire le 3 contre 2. Mm-hmm. Et du coup, je pense que sur cette action, j'étais sur le côté droit pour peut-être le 3 contre 2. Et ça part vite sur le côté gauche. Parce que quoi, il va. Il va à 10 000. Mais après, en voyant l'action, je me dis, bah, sortie de 16, c'est le bon endroit. Si elle est déviée ou quoi, et au final, bah, là, il la dévie, et elle vient sur moi, et je suis bien positionné. Mais ouais, tu peux voir sur cette action que je ne suis pas un pur neuf. C'est pas un réflexe, c'est pas quelque chose que tu es obstiné pour aller dans cette. Ouais, dans j'ai cette toujours surface. Été un peu celui qui va se mettre qui en retrait. Qui va se mettre en retrait. Ouais, pour la frappe de loin. Ou donner cette possibilité aussi, aussi de passer. Ouais, exactement. On va essayer de reproduire ça. Up to you guys, up to you when you want. Right, okay. No pressure. Whoa. Le geste, il est là. Don't wait for the ball. Come on to it, yeah? Go and kick it, you know? Okay. Nice. Beaucoup mieux. We have a bubble. Come on, Adam. No pressure, let's go. Yeah, no pressure. Let's see your left foot. Hey. Nice. On his goal, you could see that he were going like properly in because he doesn't question it. Just try one, go properly in it, full power, try dominate. Let's see how it's going on. That was not bad, that one. Amdouni, bursting through, Cheeky Amdouni!
Le deuxième, c'est celle-là contre Sheffield. En fait, de base, déjà, je reviens c'est en me disant, bon, on va se prendre peut-être le contre. Ouais. Mais après, ouais, l'enchaînement, elle vient sur ma poitrine et je me dis, bon, je me l'emmène. Et puis, frappe croisée du gauche, franchement. Là, cette frappe croisée du gauche, je l'ai. J'essaie juste d'un peu éliminer le défenseur qui était sur ma gauche parce que c'est lui qui peut me contrer cette frappe, mais après, bah... Donc, pourquoi ça t'arrange aussi, au final, d'avoir beaucoup travaillé ce genre d'action où le ballon, il reste sur ton pied gauche pour pouvoir écarter, par exemple, ne pas être embêté sur ce genre d'action. Quand on voit beaucoup d'attaquants, ils aiment bien, malheureusement, comme c'est pas leur bon pied, revenir ou comment je peux faire un crochet pour revenir ou quoi que ce soit. Souvent, ça marche super bien aussi, le crochet, mais je pense qu'à ce moment-là, là, par exemple, je fais le crochet, le défenseur, il est là, donc je peux pas faire de crochet. Donc, je dois la prendre du gauche comme elle est. Et... Ouais, c'est ce que je devais faire, je pense. Ready? Oh! Close. I can't feel this one good. Feeling good. Yep. Let's go. Hey, I told you! What did I tell you? I told you this one, I can feel it. I could feel it, the confidence about it. I'll go for one. Let's go. Tu me mets de la pression pour la passe. Non, abuse pas. Vas-y. Aïe! Catastrophe! Non, bien. Alors, je vais te montrer un but, tous les Reds, c'est le mien, quand j'avais encore des cheveux. C'est Mapanga! It's two! En fait, je sais que je suis dans l'entrejeu, et à ce moment, c'est de me mettre le plus rapidement dans le sens pour garder l'effet. Je sais qu'il y a lui là qui revient sur ma gauche. Donc je sais si je viens couper là comme ça, bon, soit il te fait faute, soit après j'ai... Franchement, faut bien la mettre. Après, ouais, comme je disais, reprise de volée, pour moi, c'est plus compliqué. Ouais. Après, des fois, elle peut partir. Des fois, elle peut partir. Tu vois, mais... Ouais. Nice. When the ball's coming, really go in properly and just let it, you know, just let it go. You must to finish your run a bit on the left if you want to open here. Yeah. Nice. Come on, Will. Let's see. Ready. Sorry, finish it. Yeah. It was better actually. You see, your move was much, much better. Gaffa. Company. Had a look, had a hit. Oh, captain fantastic. Souvent à l'entraînement, en plus, on joue aux deux touches. Ouais. Puis l'autre jour, j'étais avec Wilson, on faisait le deux touches, il restait plus que 4-5 joueurs. Et puis le coach, il met une frappe pareille, parce qu'il joue aux deux touches. Et puis Wilson, il dit, putain, elle me rappelle quelque chose, cette frappe. Non. Puis Vincent, il rigole. Non, elle est propre. Elle est propre, hein. Même en tant qu'attaquant, c'est dur. Hein. C'est très dur parce que, en fait, moi, on va dire, si je suis sur le côté droit, tu vas souvent penser à la croiser un peu. Ouais. Et de la prendre coup du pied pour qu'elle fasse l'effet inverse et qu'elle prenne lucarne droite. Ça, c'est un peu aussi, je pense, tu tires et tu te dis, bon, je vais essayer de la cadrer. Parce que, bon, ceux qui arrivent à viser en tirant coup du pied, déjà, ils sont très, très forts. Mm-hmm. Et bah, c'est quelque chose, c'est un vrai but. Ça. Ooh, I like the speed though. Yeah. I like the power. Corner, eh? Oh. It's crazy. Man, I'll go one. I'll go one. Hopefully I don't pull my muscle, but I'll go for one. Tough. Muscle not ready for this one yet. Come on, guys. This one, I can feel it. Remember, I told you before, I feel it. Yeah. So, come on. Oh, wow! Oh. We're not gonna stay on that one! It's close. Oh, wow! Oh. Vinny, too hard for us. It's
So thanks a lot, guy. It was a good fun time. Hard time, though, yeah? Yeah, 100%, yeah. Hard time. Nicky, merci. Merci à toi. Merci pour tout. C'était vraiment un bon moment. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Cool. J'espère que... C'était cool. Non, franchement, ouais. Merci à toi. Merci. Thanks, guys. Cheers a lot. Thank you.